amis. Les écoute pas, Lara. Ok. Ok. Tu me fais okay. peur. J'ai grandi à Glasgow, moi. Allez, liquidez-moi tout ça. Payeront pour ça. Le palais. Je dois rejoindre le palais. Je m'en occupe. Je l'ai. Merde. Je te couvre, Lara. Tu peux grimper maintenant. Pour m'obliger à me rendre, mais il a préféré se sacrifier. Grim. Foutue tête de mule. Je suis désolée, Ross. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir ? J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross de l'Endurance. Vous me recevez ? Lara, t'as entendu ça ? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. Envoie un signal. Je vais chercher Sam et les autres. Mais Lara, je devrais peut-être... Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. Lara, ce pont grouille de gardes. Super. Une idée ? Oui, mais ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. Thank you.
Je les ai dans mon viseur. On y va. Je compte sur toi, Ross. Qu'est-ce qui se passe en bas? Tu crois qu'ils ont eu la fille? T'en fais pas. Si c'est pas le cas, elle viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si on échoue. J'ai bien cru t'avoir perdu. Tu vas bien? C'est pas passé loin. Stop! Ne bouge plus! Ils vont te voir! Stop! Vas-y, maintenant! Stop! Attends! Je l'ai presque! Vas-y! Stop! Attends, attends! Lara, la voie est libre! Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitte. Lara, attention! Je vais lui faire la peau! Sors de là! Lara, ils sont trop nombreux. Ne reste pas là. Je vais les chercher, Ross. Je vais revenir. C'est promis. Solari, les enfants de la Reine Solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Himiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix.
Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Ça, c'est pour Vladimir, sa chaîne. Assez. Dimitri, Nikolai, amenez-la-moi. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Himiko! Parle-nous à travers les flammes! Désolée, je suis désolée. Regarde-moi! Regarde-moi! Bientôt, mes frères, nous serons libres! Emmenez-la dans la salle du trône. Ton combat est terminé, créature. Cet endroit n'est que pure folie. Mathias croit que l'esprit de Himiko nous retient prisonniers ici. Ce n'est pas possible. Mais il a atteint un tel degré de folie qu'il est peut-être parvenu malgré lui à une certaine forme de clairvoyance. L'hélicoptère n'est pas la solution. Tu le sais, Lara, au fond de toi. Je dois prévenir les autres. Si nous embarquons dans l'hélico, nous sommes morts. Que Mathias continue à prouver sa connexion spirituelle avec la Reine Solaire, les hommes sont prêts à le croire. L'initiation est brutale. Nous devons détruire leur conscience, les rendre inhumains. Les nouvelles recrues sont envoyées dans les profondeurs de la grotte, où on les affame pendant des jours, parfois des semaines. Ceux qui survivent sont accueillis dans la confrérie à bras ouverts. Je ne peux toujours pas expliquer le pouvoir que Mathias a découvert, mais peu importe. Nous ne quitterons jamais cette île. Parfois, j'ai l'impression d'être en enfer. Après tout ce que nous avons traversé, ça ne serait pas forcément pire.